Ouais, allô. Ouais, c'est moi. Ouais, je l'ai. Ouais, je suis à vous dans une minute à peine. Ok. Tout est prêt? Oui. Bonsoir et bienvenue à tous dans Demande qu'à savoir, l'émission qui ne demande qu'à savoir. On accueille tout de suite notre candidat. Voici Jean-René Stanislas, un chercheur hors du commun qui fera Bonjour. Tout pour trouver les secrets de l'univers. Maintenant, veuillez accueillir Jean-Ri Bernard, un étudiant en médecine Bonjour. Qui fait en réalité tout ça pour devenir le sosie de Dr House. Pour finir, voici venir Jean-Daniel Marcel, un archéologue qui revient d'un voyage en Russie et oh là 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 là, il a certainement bu un peu trop de vodka. Ramassez-le vous et arrêtez de rigoler vous aussi. Oh là là. Allez, c'est pas là. Allez, un peu plus vite s'il vous plaît. Allez, allez. Merci beaucoup. Je demande maintenant donc au maître du jeu de m'apporter l'enveloppe du thème de cette émission. On peut l'applaudir. Le maître du jeu. Merci beaucoup. Vous pouvez repartir. Et d'ailleurs, au passage, prenez le pupitre là. Merci beaucoup. Merci. Donc, le thème de cette émission, mesdames et messieurs, et je m'adresse à vous aussi, le thème est l'atome! Du coup, bah, vu que vous n'êtes plus que deux, on fait la deuxième manche directe. Alors pour savoir qui va commencer les questions, je vous propose de faire un Shifumi. D'accord, donc Jean-Henri Bernard a gagné. Donc question du coup pour vous. Comment appelle-t-on la partie centrale de l'atome ? 1. Le noyau ou 2. Le pépin ? Le noyau. C'est une très bonne réponse de Jean-Henri Bernard. Maintenant, question pour Jean-Roger Stanislas. À quel chimiste russe doit-on la classification périodique des éléments ? 1. Dimitri Ivanovitch Mendeleïev. 2. Alexis Dordichev. Alexis Dordichev. Aïe, 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 non, c'était Dimitri Ivanovitch Mendeleïev. Question pour Jean-Ri Bernard. Qu'est-ce qu'un anion ? 1. Un atome qui a gagné un ou plusieurs neutrons. 2. Un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. Un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. Et c'est encore une très bonne réponse de Jean-Ri Bernard. On peut l'applaudir. Jean-Roger Stanislas, on ne se décourage pas, rien n'est perdu. Lesquelles de ces espèces chimiques sont électriquement neutres ? 1. Un cation. 2. Un atome. Un cation. Aïe, 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 non, c'est encore une mauvaise réponse de Jean-Roger Stanislas. Alors malheureusement, vous ne pourrez pas aller en finale, puisque Jean-Ri Bernard a déjà 2 points d'avance. Mais bon, on va faire la manche, on va finir la manche. Pour le plaisir, hein ? Pour le plaisir. Pour le plaisir, allez. Mais c'est pas que ça recommence, les gars ! Mais ce qui veut dire, du coup, que Jean-Roger Stanislas est finaliste ! Jean-Roger Stanislas, vous êtes le finaliste. Comment vous sentez-vous ? Alors, j'ai un peu envie d'uriner. Bon alors, allez-y. Pour l'instant, j'ai sa pub ! Wow.
brioche gravido, c'est de la balle. Nous sommes de retour avec Jean-Roger Stanislas. Je vous rappelle qu'en finale, vous n'avez aucune proposition. Alors, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Vous êtes vraiment prêt? Oui. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. Qu'est-ce qu'un cation? Oui. Aïe, 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 mauvaise réponse. Et non, c'est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. C'est le contraire de l'anion. Ah, vous m'avez bien eu. Ouais, on me le dit souvent, mais on se reconcentre. Deuxième question pour vous. Quel constituant compose 99% de l'atome? C'est la mer noire. Non, mais non, mais non, mais non, mais c'est pas vrai. Vous êtes censé être un scientifique, Jean-Jean Stanislas. Bah oui. C'est évidemment le vide, tout le monde le sait. Bon, c'est la dernière question. Vous avez encore une chance de remporter votre cadeau. Laquelle de ces formules est juste? 1. Nombre de nucléons égale nombre de protons plus nombre de neutrons. 2. Nombre d'électrons égale nombre de nucléons plus nombre de neutrons. Hein? Oui! La réponse 1! Oh là là, mais comment vous avez fait pour savoir cette réponse? Ah, c'est le talent, hein. Et bah franchement, bravo. Et vous repartez avec ce cadeau. Et vous repartez avec un stylo bleu d'une valeur de gratuit, puisqu'on l'a récupéré au Crédit Agricole du coin. Encore bravo, Jean-Roger Stanislas. Bah franchement, vous avez reçu un cadeau exceptionnel. On peut pas se le cacher. Ah oui, j'en ai besoin pour finaliser mes recherches. Donc ça tombe très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé. Merci évidemment à nos deux candidats de tout à l'heure qui se sont malheureusement blessés ou ils ont bu, hein, on peut pas se cacher. Oui. Hein. La semaine prochaine, on retrouve toujours des candidats plus qu'étranges, plus qu'exceptionnels. Ah, on m'annonce à l'oreillette que quelques gilets jaunes bloquent le rond-point de... Oula. Oula, oh. Salut. Doucement, doucement. T'as gagné. Doucement. Oui, oui. Je crois bien qu'il est sauvé. Oh là. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. La bise. C'était vachement cool, bien joué. Merci.